Ils sont plusieurs centaines de personnes à être sorties de façon spontanée pour manifester au pied du monument de l'indépendance leur soutien à l'armée malienne et aux autorités de la transition après que l'armée ait affirmé sa prise de position dans la ville de Kidal. Un manifestant membre de l'Alliance pour la refondation du Mali. On est joyeux. Et parce que nous, à notre niveau, au sein de l'Alliance pour la refondation du Mali, depuis que les Assimis ont pris le pouvoir, nous avons su que c'est les sauveurs du Mali. Pour Fatou Diaby, le choix du monument de l'indépendance pour manifester sa joie n'est pas fortuit. Le boulevard ne peut pas seulement être un lieu de revendication. À chaque fois que les gens viennent sur le boulevard, c'est pour revendiquer, c'est pour dire ceci, c'est pour dire cela. Et nos femmes méritent, s'ils sont décédés pour nous, ils sont restés sur le champ de bataille pour nous, ils méritent amplement qu'on vienne danser pour eux. Membre du Conseil national de transition, Salou, salue la bravoure des forces armées maliennes. Il y a plus de 12 ans, on nous a dit que le Mali ne peut pas être à Kidal. Alors que le Mali est rentré à Kidal, sans la France, sans l'opinion internationale, on est rentré avec nos propres moyens. Dieu merci, je suis vraiment animé d'une grande joie. Au son des vuvuzelas et des klaxons, les drapeaux brandis en l'air, certains promettent de passer la nuit sur place s'il le faut. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.